Il leur manque un petit ban. Elle était ban dans les autres drafts, ok, ok. Attends, on veut rien montrer du côté de Vita. Ok, ça c'est intéressant. On va vouloir montrer le petit pic. Oh, par contre, attends, on peut purer une Tristana Cassante et de prendre un gros AP mid, hein. Jungle, pardon. De la Lilia et tout, tu sais que c'est pas ridicule, hein. Est-ce qu'ils vont le tenter? Ou même après, c'est vrai qu'il y a Jayce qui est open. En vrai, Shea qui nous a... Ok, ça va pas être ça. Shea qui nous a fait plaisir avec d'énormes champion pool dernièrement. Depuis qu'il a à plein temps sur LoL. Depuis qu'il a son CDI là. Shea qui il a un sacré champion pool. Il fait plaisir à suivre. Original le matchup top, jamais vu. Je le connais pas, je sais pas ce qui se passe. Cassante et Renekton. On se régale. Après, tu peux pas en vouloir aux équipes de faire speak Renekton. Hein. Le perso est. Bah, il est. Ouais. Il est prêt pour les worlds, quoi. Le problème du blue side, c'est que Renekton open, c'est. Tu vois, je me dis vraiment, ban Rakan quand il y a Renekton. Tu vois, je me pose des questions sur. Y'a vraiment rien d'autre. Genre Rakan c'est si broken pour le laisser. Non, je pense même pas qu'au World il sera permaban. Il va se faire ban dans certains games mais pas partout. Hein. Saison 3 ouais, Shyvana, Renekton et le troisième pick c'était Mundo. Il y avait que ces champions là, toutes les games. Je sais, je l'ai un peu tryhard cette méta. Je jouais que Renekton et Shyvana, pas le Mundo. J'étais quand même moins fort que les trois autres. C'est un cauchemar. Hein. On faisait que ça. 4000 HP, 0 damage. Sunfire. Oh! La Poppy. La Poppy de Douglas. Très très intelligent comme pick. Bien agressif. Il y a beaucoup de dash en face. Ça a son. Ça a sa place. Brossa a dit que tu étais un excellent top laner, Gob. Eh! Hey. Je dis la même chose sur lui. Dites-lui ça, ouais. Ouais, dites-lui à Broxa que c'est un excellent jungle. Moi, je le trouve très gentil. Mais c'est vrai qu'il me fait des games globalement. Bon, après, s'il est à mon elo, c'est qu'il joue très bien. Hein, mais c'est vrai que il m'a fait des games, Broxa, des fois. Pouf. Bon, la dernière, en vrai, elle était clean. La dernière était nice. Tu pourrais faire des vidéos sur les petits games. Oh, je sais même pas si je le fais en vrai. Pourquoi Kessente toujours en réponse à Renekton, il n'y a pas mieux? En fait, il y a mieux, mais c'est des ranges et c'est trop risqué. Les ranges top sont vachement risqués actuellement. Sur la top lane. Il y a quelques personnes qui tentent des choses. Broken Blade avec son Kled et son Swain. Adam avec du Darius. Il y a quelques picks Jax comme WoW la game précédente. Même si on a constaté que ça marchait pas non plus des masses. Mais Kassente à ce côté-là, ça tient à peu près Renekton. Et en teamfight, ça a aussi énormément d'impact. Donc ça reste pas mal. Ça reste pas mal également. À Kassente, derrière, c'est quand même compliqué, mais tu peux... Enfin, il y a derrière et derrière. Tu peux être derrière le Renekton, mais pas derrière la game de manière générale, tu vois. Faut lui avoir parlé, il est super gentil, il est très grand. Ouais, bah, moi, j'avais été à Las Vegas avec Broxa, il était dans ma team pour un petit event. Et super gentil. Très, très gentil comme gars. Il est vraiment un bon gars. Mais ça date, hein. Mais par contre, ouais, comme je dis, je pense que le bio, je vais peut-être essayer de vous le mettre sur YouTube. Je vais voir si ça peut être intéressant. On peut faire un petit test, hein, ouais. De mettre les castes des games. Les castes des games. Dessus. Horn, c'est bien aussi contre Renekton, ouais. Mais Kassente est souvent préféré par les top laners. Horn, ça tient bien, mais ça peut pas trop contrer normalement. À part le tout début de la partie. Ezreal qui va être chopé pour Néon. Eh, elle fait plaisir la petite draft là. Attends, à chaque fois que j'ai dit ça, ça s'est mal positionné après le pronostic était toujours du mauvais côté. Non, on adore la compo cassée, je l'adore. Je l'ai pas encore en entière, mais incroyable. Ezreal ici, bah en vrai, tu joues contre Renekton et Sejani. T'as besoin de mobilité. Moi, je trouve que le pick Ezreal, il est pas dégueu. Si tu piques Horn, tu dois laisser des plaques. Ouais. Après, Kassente, normalement, il en laisse un petit peu aussi. Hein. C'est une game Rammus. C'est une game Rammus chat. Oh, la game Rammus que j'ai fait tout à l'heure.
Le cauchemar de la team adverse. Ok, c'est pas une game, Ramus. On a un Blitzcrank. Mais tu vois, le Blitzcrank dans Israël, c'est nul. Mais par contre, c'est vrai que dans la globalité de la compo, il y a de la pression à mettre avec. Ça va être intéressant. Ah, Gragas, même Gragas, c'est plus le big counter de Renekton. Hein. Ouais, le Blitzcrank dans Israël, c'est pour jouer la suite de la game. Hein. Clairement, le Blitzcrank, il est pas là pour Israël. J'avoue que c'est pas un pick que j'aurais attendu, mais frère, t'as Nautilus, Rakan, Alistar, Rel, Braum. En termes de ban, ça commence à être un petit peu limité. Et il te faut quand même un supporting edge. Et je pense aussi que Leona n'est pas le meilleur choix dans cette draft. Donc, par contre, j'ai peur que le Renekton soit intuable. Oui. En vrai, analyse directement. Effectivement. Qui s'occupe du crocodile? Parce qu'on l'a vu, hein, le Syndra c'est sympa, mais ça va pas assez vite burst. En fait, dans cette game, il peut faire encore une fois le bot de Mercure, Eviscérateur, Sterak, beaucoup d'HP. Compliqué quoi. Ça manque d'un bon damage. Tu sais, t'as envie d'avoir une... Bon, Vayne, je sais que c'est pas la méta des ADC en ce moment, mais t'as envie d'avoir une Vayne pour déglinguer Drenite, là. Après, Daglas va avoir un boulot. Hein. Daglas, il va avoir le travail. La seule chose qu'on peut faire de bien, c'est des bons ultimates sur le Renekton, en vrai de vrai. Tu sais que la Poppy, elle a un job. Alors certes, c'est un job à plein temps, là, mais elle a un job. Il y a des trucs à faire. Bon. On va continuer de gentiment cœur sur la personne que j'aime bien, mais j'aime bien la compo cassée. On va continuer d'y croire. Hein. Il y a un monde où ça se passe très très bien pour la cassée, on ne peut rien faire évidemment. Le S c'est le safe pick bot, mais Ezreal c'est très bien. Et comme je dis, Blitzcrank dans Ezreal, bah c'était pas la meilleure réponse. Donc en vrai de vrai, je suis pas. Là, ça va. C'est un BO5 les potes. Il y a 1-1 actuellement. Donc vous avez pas loupé encore une grosse partie du BO. Et comme je dis, j'essaierai de remettre sur YouTube à la limite si vous avez envie d'avoir les rediffs. Si vous avez envie, petit point d'exclamation YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à les follow, ça fait toujours plaisir. On essaye de bien bosser, de mettre du contenu journalier dessus, quotidien. Oh, les deux. Journalier et quotidien, les gens. C'est assez étrange comme compo, de la grossing edge, mais du POC sur le mid ADC. Il y a un peu de tout. Le bon néon, après, il a fait une superbe lane en vrai de vrai, la game d'avant. J'ai envie de lui faire confiance sur son pick Ezreal, mais c'est vrai que c'est pas la partie la plus évidente. Morgana, non, ça aurait été horrible. Enfin, Morgana, faut pas l'apprécier comme champion en ce moment, je trouve. Même si c'est une bonne réponse à un Blitzcrank ou ce genre de choses, je pense qu'il nous faut quand même des gros essais faciles à mettre en place. L'année prochaine, Rengar, on en refera. Je vais essayer de me refaire une petite team l'année pro, ça pourrait être cool. Ça pourrait être très sympa. Et là, il y a un des joueurs qui est AFK, là. Moi, je voulais la petite game, là. Je voulais que ça parte. On a un BO5, les gars, à casse. Il est bientôt 20h. Ça fait 10h que je stream. Moi, je suis... En quoi, les joueurs, là? Le travail, c'est quand même de jouer, là. C'est quand même de jouer. Non, en vrai... En fait, moi, le truc qui me fait peur, et j'ai l'impression que ça va être l'histoire de BO, c'est à 25 minutes. Là, par exemple, la compo cassée... C'est ce que je dis avec le ban Renekton. En fait... Est-ce que c'était pas plus mal même de mettre mal le topside? Waouh, alors même s'il a un bon Jax, on a réussi à le mettre en difficulté dans la game d'avant, tu vois? Donc, est-ce que c'était pas la meilleure chose de laisser un Rakan? Peut-être se prendre même un Xayah Rakan? Après, Zoeli, c'est un monstre en support, et bon, lui laisser Rakan, c'est peut-être chaud. Mais est-ce que c'était quand même pas une meilleure solution que de... Bah, on a vu, waouh, early game qui était pas très bon avec Renekton, 1v9 les teamfight. Scarface, pas un bon early game sur Renekton. 1v9 les teamfights. Le perso, dans tous les teamfights qu'il y a eu pour l'instant dans le BO, n'a eu aucun danger. Et je pense que dans cette game, malheureusement, on a encore moins de réponses que la game avec la Kessa. C'est vrai que. Après, il y a la Leblanc Jizuke qui a été ban. Plus Leblanc est très, 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 très forte dans la 13.18. Donc quand tu n'as pas le first pick, tu es obligé de la ban. Donc ça, je comprends. Le Maokai, on l'a vu, ça faisait le taf. Mais
Le Renekton, il me fait peur, moi. Et si on joue à ce jeu-là, en prochaine game, on peut avoir le first pick Renekton, mais le 2-2, ça se finit avec K-Corp qui est en blue side. Si on joue au plus con, ils auront 3 games de Renekton contre 2. J'ai l'impression que c'est bête et méchant, mais que c'est littéralement la problématique de tous les BO que je constate actuellement. C'est que le crocodile a un objectif et une présence dans les games beaucoup trop élevée. Et derrière, bah... Là, en gros, il nous faut une Poppy quand même avec un pourfendeur ou un truc comme ça. Sinon, on n'a pas assez de dégâts. Il nous faut un Ezreal bien dans la game. Parce qu'un Ezreal 3 items contre Renekton 3 items... bonne chance. On a vu qu'Asante, il a très bien joué Scarface dans Renekton en early game. Mais ça suffit pas. Alors que lui, par contre, dans sa tronche, il va quand même se prendre de la Harry. Tu peux lui mettre énormément de dégâts. Et la Kai'Sa, pardon, qui va être très solide. Plus, il y a un Blitzcrank pour un petit peu l'emmerder en termes de positionnement. Le Blitz, c'est pas mal dans KSNT, je pense. Est-ce que la KSNT va forcément gagner toutes ses games avec Renek? Non, pas forcément, mais c'est un beau perso, quoi. Et voilà, ça. Moi, pour moi, la Poppy, soit tu la joues pour Fender Divin, soit tu la joues en mode full tank. Et le seul objectif que tu vas avoir, ça va être d'ulti le Renekton. Et du coup, il dégage du teamfight. Tu casses le teamfight. Et après, le Renekton, il est tout seul. Il peut pas y aller avec de la Leona, avec de la Poppy, KSNT. Il peut pas faire un bon fight. Mais ça peut marcher une fois. Pas sûr que ça remarche une deuxième, tu vois. Si Ezreal passe devant, c'est insane. Genre, la game, elle est vraiment... on est sur un bon gros lead, à mon avis. Après... c'est une Sejuani, donc ça va pas être si simple que ça de gank un Ezreal, mais... Mais comme je dis, ouais, Néon et Douglas vont avoir une belle game à créer. Douglas, faut qu'ils mettent la pressure dès l'early game. On a vu que mettre un peu la pressure sur Renekton, c'est pas mal. Mais vers 20 minutes de jeu, le problème, c'est que le perso était quand même unleash. Et il a déchiré la partie. Là où on a potentiellement plus de choix à aller faire des moves sur la botlane, quoi. Potentiellement. Je dirais que ouais, c'est un focus bot side qu'il faudrait présenter là-dessus. Scarface, il a pas fait une bonne game de KSNT à partir des 20 minutes de jeu. Mais je pense qu'il va se ressaisir. C'est la première fois que je voyais Scarface choke autant les teamfights. En vrai, il a fait toutes les mauvaises décisions d'un KSNT, alors que c'est un joueur qui est très bon et son KSNT est loin d'être mauvais. Donc j'avoue que... J'ai bien envie de voir là un vrai KSNT dans ses mains. Cette fois. Il n'y a pas que Poppy qui pourra dégager le Renekton, KSNT aussi. Alors, si t'as regardé la première game, c'est vrai que... Ironiquement, tu as raison, mais quand tu regardes la partie... on a eu l'inverse, on a eu un KSNT qui a ulti le Renekton dans la backline. Malheureusement. Mais je suis d'accord, KSNT peut s'occuper du Renekton. Et alors, le teamfight n'est pas exactement le même. Je suis d'accord. Hein, c'est vrai qu'il y a deux possibilités de dégager le perso. Parce que le KSNT, il ne veut pas aller dégager la Kai'Sa. Genre, s'il la dégage, bah, elle met son ultimate et elle rejoint le teamfight, c'est lui qui est tout seul. Et bah pour la Harry, c'est un peu la même problématique, quoi. Si Shayak ressort la première game... ouais, c'est vrai que sa première game à Shayak, elle était bonne. Mais même la deuxième, ça allait, tu vois. C'était une game de Syndra assez basique. Mais Shayak qui fait un bon début de BO. Les deux premières parties. Alors moi, j'avoue que j'ai pas de régisseur, donc... Je ne sais pas pourquoi. Ça prend du temps. Mais j'avoue que... On patiente, hein. J'espère que vous allez bien, en tout cas, que vous avez votre petite bouffe devant le stream. Ah bah... Bah ok, alors. Attends, mais quoi? Bah d'accord. Bah merci. Bon, on est en game, du coup, je crois. 20 minutes de jeu, bah on a short terminé. On a loupé que le farming, en vrai, ça va. Pour le moment, rien de trop grave. On a Douglas, du coup, sur la bot lane. Tranquillement. C'était les Ops qui arrivaient pas à rejoindre la game. Ok, ok, bon. Happens. Merci pour les infos, les viewers. Il y avait un petit bug au niveau des Ops. On va voir, en tout cas, au niveau de la partie, on a pour l'instant un early game plutôt normal où t'as un Renekton qui va proxy. L'intérêt de ce proxy, vous vous dites, ça sert à rien, il va pas lui mettre de pressure. Mais en gros, c'est soit d'aller prendre la vision dans la composition adverse, soit, là il va faire même un deuxième proxy, soit pour ensuite faire un bon recall. Et en fait, vous perdez aucun CS en faisant ça. Vous vous repositionnez sur votre lane tranquillement. Et en fait, bah, vous savez très bien qu'il y a personne qui va vous emmerder parce que la Poppy a fait son topside. Donc il y aura aucun moment
de compliqué pour WoW. Du coup, le proxy est très très intelligent là-dessus. Alors, avec les coups de tourelle, il va se suicider, hein, évidemment. C'est plus rapide d'aller sacrifier que de faire le back. Ah non, il va faire le back, ok. Il a envie de sauver son KDA. En vrai, je crois que ça se joue. Mais là, vu qu'il manquait une auto-attaque de tourelle, à la limite, tant qu'à faire de crever. C'était pas forcément non plus un mauvais choix. Ça a fait une siege, ouais, c'est un peu ça. Du coup, tu vois, en gros, il back, il revient sur sa petite lane, il a pas besoin de téléporte, et la lane sera fine. Du côté du KSMT, on a un tout petit peu de retard, mais rien de grave là-dessus. En vrai, tu sais qu'à la place de WoW, même si c'était intéressant, ça aurait été plus intéressant de juste prendre une des deux premières waves, et de jouer après, enfin, la vision comme d'hab, hein, les white qui est positionné si jamais. Oh, un petit hook peut-être, sur Jack Troll, on met juste la pression. Ça aurait été bien, ouais, de prendre juste la première wave et pas d'aller chercher la deuxième entre la T2 et la T3 parce que... Bon, certes, tu reback avec une pioche, mais en fin de compte, t'es revenu quasiment au même timing que Scarface. Alors qu'il aurait gagné un petit peu de temps là-dessus. S'il avait pris la première wave et pas la deuxième derrière. Bon, les petits trades, hein, clairement, on met le W, on tempo. Oula, attention, ça peut être très très gourmand là-dessus avec le hook de Blitzcrank. Heureusement, Zolidis, c'est un petit peu... un petit peu trop hypé, il a mis l'ignite et tout. Heureusement, on était à un pixel de l'aggro de la tour. On va dire que c'était bien calculé de la part de Jack Troll. Et pour le coup, je pense que littéralement, il a essayé de calculer le move. Mais ça aurait pu être compliqué. Les pronos drafters, ça m'est très bien fait d'oche à chaque fois. Du coup, drafter qui considère que la KC a une meilleure compo. Bah, ils ont pris Renekton, donc j'imagine que le drafter gagne déjà 10% de chance pour cette équipe. En tout cas, on va récupérer le premier Drake et ça, c'est cool. Drake X-Take, toujours très agréable à récupérer. On est sur un petit early game qui est tranquille. On a fait tous nos camps, on se dit, bah tiens, le Drake il est gratos. Hop là. L'équipe rouge a tué le dragon. Surtout dans une petite game comme ça, on crachera pas dessus. Et sur la top lane, bah ouais, ça va se regarder. Il y a les deux téléportations de up. On a un tout petit CS lead quand même de la part de Scarface, qu'on a dit. Hein. Il gère bien le match-up, il farm vachement bien. Pour l'instant, il fait le travail. Et on a une Leona qui décale. Oh, on a envie de fight. Bon, après, il n'y a pas de flash à mettre en place, hein, c'est trop lean. Mais on avait Jack Troll qui était en décale sur cette action. Il avait envie de tout donner. Et pendant ce temps-là, c'est Néon qui va prendre le focus. On est... Oh non, Néon! Pas comme ça! Aïe, 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 on prend quand même beaucoup de dégâts, mais on ne tombera pas! Oh, le panic flash où tu flashes dans la même range que le Q-spell de Blitzcrank. Mais ouais, le flash-in pour forcer le E d'Ezreal. Et derrière, on met la pressure. On fait un petit flash extract grab. Mais attention, ouais, la contre-attaque, très beau sidestep de la part de Zoelis. Et derrière, bah, c'est encore une fois une victoire de la KC sur le bot side. Mais on ne prendra pas de kill pour le moment du moins. Attention, on empêche, un dive peut très vite arriver. On a Jizuke qui est en décal. On a l'information, on a la vision, on va devoir respecter du côté de Vitality B, mais non, au final, ultimate de Jizuke, peut-être un petit peu tôt quand même là-dessus. On a le E de Néon pour escape, on dash in, enfin dash out, pardon. Il y a Jack Troll qui arrive à tanker, téléportation de Jizuke qui va faire un gros flash in là-dessus et qui va prendre le kill. Mais on aura. Ah non, c'est plus grand qui a eu le kill, pardon. On a eu un kill pour Scarface derrière et la Bobby qui va devoir défendre à la place tranquillement. Oh, attention. Denvo qui a pas de flash, hein. Allez hop, bien joué. Il a clean, mais la comète l'a juste terminé. Mécaniquement, supérieur chez Yek sur cette action. Et Daglas qui était là pour tempo. Il va être très très bien. On se met bien du côté de Vitality B. Et ça fait plaisir. Clairement là, mais l'action elle est peut-être un petit peu trop osée de la part de Jizuke. Il s'est dit vas-y, j'ai décalé, je tente jusqu'au bout. En plus on avait perdu le E de Jack Troll qui était vachement important alors qu'on savait qu'il y avait la décale qui arrivait. Denvo qui a rien pu faire en termes de burst, il a pris l'aggro de la tourelle et du coup il est directement dans la muerte. Et en vrai c'est un kill sur Blitzcrank là où on prend un kill sur KSNT. En plus on a le premier sang et la Syndrael qui a eu le temps de push la wave, donc on a fait crash la wave mid et récupérer un petit kill sur cette Kaisa, plus fait clasher la cleanse. C'est pas mal. Pendant ce temps-là... Non mais... Pardon.
Ça arrive au meilleur. Après au moins il la récup. Pendant ce temps là le héros de la fight qui a été récupéré. Wow qui est pas très bien, il a pas encore recall. Et petit jump. Ouais on va jump out directement. Oh, on a peut-être moyen de faire un truc encore une fois. Les petits pas de Denvo qui sont très bons. On a l'ultimate aussi hein, de cette Kai'Sa qui est disponible. La Poppy qui arrive. On n'a pas la vision si on avait l'information qu'elle était présente. Ok on a l'ultimate. Le E qui va pouvoir connecter. Ultimate aussi de la part du Ezreal. On a le full all-in de Daglas. Et elle va tomber sur le smite là-dessus. On a eu aucun timing pour mettre un ulti. Pardon j'avoue que Kai'Sa des fois je me dis... J'ai l'impression qu'elle spam l'ultimate en on CD, du coup peut-être qu'il n'y avait pas la possibilité, mais... Mais on récupère le kill là-dessus et c'est très très bon. Le bon gank. Et derrière, bah, sur la top lane, ça va se regarder tranquille. Hein. Un petit kagol d'advantage déjà à 10 minutes de jeu, ça c'est bon. Après on sait qu'on aime bien ruiner à 20 minutes, donc on va éviter quand même de se hyper sur ce début de game, mais... On est sur un bel early. Et le Blitzcrank bah ouais qui s'avère un peu compliqué contre Ezreal, ça on le savait pour la laning phase que ça allait pas être le pick clutch. Moi tout ce que je vois là pour l'instant c'est un Renekton qui a pas réussi à prendre trop de gold advantage donc je suis heureux parce que le 20 minutes Renekton il me fait trop peur à chaque fois. Il manque juste un petit peu de kill sur ce Ezreal pour que je sois vraiment à l'aise dans la game mais... On a la Syndra qui est devant, on a la Poppy qui est bien sur l'early game, on a récupéré le premier dragon, on a l'avantage globalement, donc le deuxième pourra normalement être récupéré également. Faire attention quand même au héros de la faille récupéré par Kakorp qui va devoir l'utiliser d'ailleurs pour cet objectif dans les 20 prochaines secondes. Il va être sûrement lancé. Ok, Daglas qui a été vu, on s'en va. Et ouais, White il veut lâcher son héros de la faille. Maintenant, évidemment, on n'a plus le time. Et derrière, ça met la pression. Du coup, pour le dragon. Drake des montagnes, pas négligeable dans cette game. Surtout avec un Kassente Poppy Leona. Ça peut être très bon. On a la vision sur White. On va y aller. Mais attends, il y a un petit miscom encore une fois. Jack Troll qui est peut-être un petit peu trop deep pour le moment. On met des petits dégâts sur White. C'est pas mauvais. On met un midlife. On met un midlife là-dessus. Et c'est Shaya qui prend également son midlife. Hein, en réponse... On a un flash aussi de Zoelis de disponible. Pas de téléportation de disponible sur les top laners. Oh attention par contre là-dessus on prend beaucoup de dégâts. Shaya qui va se prendre le hook, le kill sur White, le héros de la faille. Qui au final ne va peut-être pas pouvoir être activé. Et derrière... Ah quoique c'est un bug de spec parce que je croyais qu'il restait vraiment plus de time. Plus de timer, s'il est activé au final. Néon qui est obligé de se barrer le flash out directement. On joue les petits pas du côté de Jizuke. On joue superbement d'ailleurs le taunt qui va passer. On récupère le kill. Zoelis qui le récupère, cela dit. On a peut-être un petit peu trop faim du côté de Daglas. Va falloir respecter là-dessus. Aïe 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 aïe. C'est pas bon, chat. C'est pas bon, c'est pas bon. On a pas beaucoup d'HP. Je suis pas sûr qu'on a envie de jouer par ici. Il y a un petit Blitzcrank qui peut mettre le grave chance. Il va falloir concéder évidemment. Ce Drake et le laisser pour la casser. Il vient de récupérer pas mal de gold hein, mine de rien sur le bot side. Avec le héros de la fight activé, le dragon. Le fight qui s'est superbement bien passé pour eux. Jizuke la force tranquille hein. Il a attendu jusqu'au bout de mettre le taunt sur Néon. Et malgré le flash out et la cleanse, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à temporiser. Pendant ce temps là Wow qui met sa petite vision dans la jungle adverse pour voir où est Daglas. Et là on a un beau petit stuff sur Scarface. Donc normalement le 1v1 est pas trop mal hein, de son côté. Ouais là on respecte. Y a rien à créer. Le héros de la faille n'est pas up pour le moment. Et bon ouais, l'écart de gold qui n'est plus présent malheureusement dans cette game. On a pris pas mal d'informations par contre en termes de ward assez deep pour Vita, ça c'est bon. Maintenant il va falloir voir sur le prochain teamfight. Parce que là comme j'ai dit il y a le croco qui lui il attend son deuxième item là tranquillement. Et après ça va être une machine de guerre. On a la Sejuani qui est pas mal. La Kai'Sa à la limite elle est pas encore overfed mais avec les plaques elle s'est quand même mise plutôt bien.
Jack Troll qui arrive en flank, mais c'est vu par Zoélis. Est-ce que le 2v2 est gagnable là-dessus? On a la Poppy qui est pas trop loin. On va faire un flash in, mais ça a été pre-shot du côté de Denvo. Et on va pouvoir juste s'en aller gentiment en ayant fait claquer le flash de Jack Troll. Et d'ailleurs, Jack Troll qui va sûrement le payer de sa vie là-dessus. On va essayer quand même de faire un petit 1 pour 1. Le flash out de Zoélis là-dessus. On met pas mal de dégâts sur Denvok. Mais malheureusement, bah là, il n'y a plus moyen de y aller. Quoique Daglas a envie. Mais est-ce que c'est pas trop deep ultimate de White? Et on va mettre le grab, à mon avis, du côté de Zoélis également. On a mis l'ulti pour tempo. La Syndra qui est présente également. Mais. Aïe. Sheyak qui est obligé de flash out là-dessus. On n'a pas le choix. Attention, ou quand même, dans les strong flash in de la part de White. C'est peut-être un petit peu deep. Ils ont tous un HP. Néon qui essaie de mettre un maximum de dégâts sur White. Qui va devoir flash in pour récupérer le dernier kill. Et qui va tomber. Mais Néon prendra la dernière auto-attaque de cette Kai'Sa. Et ça nous fait vraiment un move ultra rentable pour la K-Corp. Hein. Il y a la Kai'Sa qui est bien. Il y a la Sejuani qui est overfed, très tanky. Oh, par contre, pendant ce temps-là, le petit 1v1 qui est lancé du côté de Scarface. Est-ce qu'on a de quoi faire? Il y a quand même la rage, il y a beaucoup d'HP. C'est compliqué ce 1v1, c'est compliqué sur timing. Et on va faire un flash Q-spell et c'est terminé. Aïe, Scarface. On dirait moins au solo queue. Attends, mais ça vient de lâcher des points d'interrogation dans sa team. Mais c'est littéralement une solo queue. Ah non, c'est en face que ça a lâché, ok. Je dis de la part de Vita de faire ça. Ok, de la part de Cassé à la limite normal. Mais... Oh, pendant ce temps-là, on a un fight. Mais attends, mais c'est Jack Troll. Hop, oh, bah non, j'arrête. J'allais dire c'est Jack Troll contre le monde, mais. Petite interrupt quand même sur le Ezreal qui fait plaisir. Et potentiellement un autre kill récupéré sur le capitaine. Non, on n'aura pas moyen de faire plus. Mais ouais, non, le 1v1 Kassan Terrenaiton. En fait, quand t'as pas enlevé vraiment beaucoup d'HP, l'ultimate éviscérateur, c'est broken. Enfin, c'est broken. On le sait quoi, et ça a trop de sustain, t'as trop de points de vie. On l'a vu, il a bien attendu avant d'utiliser son Conqueror avec son Z. Il a mis beaucoup de dégâts, temporisé, sustain. Et derrière, bah ouais, le 1v1, il y a trop d'HP pour vouloir tenter. Sur un match-up Horn, Kassante, je dis pas, l'exécution est magnifique. Hein, le move est beau, mais frérot, c'est pas un tank en face. Aïe, non. En fait, le problème, c'est que ça ne soit même pas close, tu vois. C'est un peu ça qui me dérange. C'est que ça n'a pas été très lucide de la part de Scarface parce qu'on n'avait vraiment pas un match-up... qui était vraiment à notre avantage sur cet engage. On le sait pourtant. Ok, on a Jizuke qui doit flash out. On va faire le petit jump in. On a un red buff sur Néon. Donc on va pouvoir continuer le chase. Jizuke qui devrait tomber là-dessus. Petit Q-spell de Poppy. On essaie de pas prendre le kill évidemment. On le laisse au carry AD qui a besoin de stuff. Et pendant ce temps-là, on va faire le héros de la fight qui a quand même un petit peu reset. Mais bon, ça va être récupéré pour la K-Corp. Et on a une minute pour le Drake. Donc Jizuke qui meurt à ce moment-là. Même s'il a un petit death recap, bah on pourra pas faire grand-chose pendant ce temps-là. On va pas récupérer d'objectifs. Et merci Chuchen pour le sub. Ça fait plaisir, merci pour le soutien. Non, la game est encore largement jouable, mais c'est vrai que... Compliqué quand même. Compliqué les actions de la casser. Je vous ai dit, on a un vrai BO en face. Hein. Ok, après tu vois les gold advantage, je pensais pas qu'ils étaient répartis de la sorte. J'avoue que je pensais qu'il y avait un peu plus de gold lead sur la top lane avec même l'action du solo kill. Et un peu sur l'ADC. Au final c'est surtout une support, c'est des tanks surtout en fait, qui sont bien dans la game. Donc ça va, franchement. Poppy joue un stuff support, c'est pas plus mal en vrai quand tu vois la thune qu'elle a dans la game. Elle est quand même en retard de fou. Si elle joue carry dans une game comme ça à mon avis, on pourra pas jouer du tout la partie. Allez, en tout cas c'est le troisième Drake qui va être important celui-ci, on va clean la vision. On va laisser un petit peu de néon mettre quelques pocs. On n'est pas encore sur un Ezreal qui fait extrêmement mal hein, mais... Mais ça commence, la petite décale de Scarface pendant ce temps-là, on sait que Wawa la téléporte, donc lui son objectif c'est d'essayer de prendre la tourelle et de téléporter. Là où Scarface a pas trop le choix, il faut qu'il soit présent. Et en tout cas, Vitality, et c'est ce qu'il va faire, veulent fight ce dragon. On a un ultimate mais c'est sur Zoélis, c'est ce qu'on a envie de tout mettre, effectivement on met tout. Et on arrive à prendre le kill sur le support de la KT. Et on a vraiment tout mis hein. Ah non, je crois qu'il y avait l'ulti de Lissandra qui était parti avec, mais ok. Mais en vrai c'est pas plus mal parce que c'est vrai qu'ils ont un petit peu peur d'y aller. Surtout que l'ultimate du coup de la Sejuani a été mise en défense. C'est pas trop mal. Alors je dirais que quand même le POC Vitality est plus simple à mettre que le POC cassé. Le POC cassé il est plus en gros mid game, late game. Et Jack Troll qui est vu mais on pourra pas faire grand chose de toute façon hein, il le tuera jamais là dessus. On a la vision.
Oh, attention, Shayak quand même là-dessus. Ouh, on a été obligé de flash out et on a plus beaucoup de points de vie. Même si le flash out était pas nécessaire, j'avoue que c'était un peu un panic flash. Et le héros de la fight, il va être parfaitement utilisé. Oula. Oula, 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 oula. Jack Troll qui a voulu bait, mais peut-être un petit peu trop loin. Mais pendant ce temps-là, en vrai, il y a Daglas qui est pas trop mal positionné. Qui a pour en mettre des bons dégâts. On a peut-être moyen de tempo l'arrivée de Scarface. On va juste mettre son ulti peut-être sur White, même pas. On laisse White. Ok, waouh. Attention, hein. On a déjà vu des dingueries avec, avec un KSNT qui ulti waouh sur la première game. Ok, on lui met le full CC. Le full CC est très propre. Zoïd qui va tomber là-dessus. C'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Dommage, c'est que. Il manque 30 secondes en vrai pour que ce soit un Baron Nashor gratos. Et j'avoue qu'on a laissé White genre vraiment s'en sortir. Mais le fight était très clean. Là cette fois on a bien attendu que tous les CC soient dispo. Il y a une bonne communication, ça fait plaisir. Le full all-in sur le Renekton il faisait trop peur. Parce que vraiment bah, on en a vu des moves où un Renekton peut faire un fight. Surtout à ce moment là de la game, c'est son temps fort. Bon même s'il a beaucoup de temps fort en ce moment le perso, mais au moins là on était coordonnés. Il a juste pas pu jouer. Mais très bien vu au final de laisser cette Sejuani. S'il n'y avait plus rien à faire. Jack Troll en fait malgré lui arrive à très très bien bait l'équipe adverse. Et là bah ouais effectivement il y a trois joueurs cassés un petit peu bloqués. J'avoue que je suis quand même étonné que ça s'en sorte aussi bien même pour la casser au début de ce fight. Et tu vois je sens que Scarface il a hésité en mode attends mais je peux mettre un ult en vrai. Et là ça a bien tempo hein. Là, tac, tac, tac. Hop, on sait que le full combo, il va passer. Il y a Zoilis qui s'est chauffé à mettre un petit grab quand même en se disant, attends, si j'en enlève un, peut-être que le Renekton peut tempo et on a un fight. Et là, oh, il y a un Baron Nashor. 9000 HP, normalement, ils vont devoir le disengage. Attends, on a l'information. La casse et recule. Là, faut juste faire gaffe. On n'a pas l'information sur ce Blitzcrank qui peut peut-être lâcher le grab. Donc, on a l'info maintenant. Et là, non, c'est le Blitzcrank qui se retrouve un peu solo. On va encore une fois tout mettre. On a le flash out, mais est-ce qu'on arrivera quand même à s'escape? Non, là-dessus, petit kill encore une fois sur cette Syndra. Et en plus, on a la pressure sur la mid lane. On va se faire claquer la cleanse de Delvok. Et est-ce qu'on n'a pas envie d'essayer de faire la pressure Baron aussi? On a claqué qu'un seul ulti là-dessus. Hein. C'est pas si mal. La tourelle mid qui est focus. On aura pas assez de dégâts. Mais c'est bien là ce qu'on propose. En fait, on n'hésite pas. Juste, dès qu'il y a une option, tu all-in et tu fais comprendre. Allez, il touche ce Israël, c'est pas le mien. C'est pas un Storm Trooper le petit pote. Par contre bon, tu sens que la Sejuani elle est bien dans la game parce que même s'il touche les damage. Et pourtant il a pris un petit peu d'armure peine mais... Sejuani est bien nourri, un beau bébé. Allez, faut continuer comme ça. Petit à petit, tu grattes, tu prends l'avantage. Genre par exemple, pas faire ce genre de move. Ah, y a Néon qui va flash out mais qui va tomber là-dessus. En plus, on a une téléportation de Scarface. Ok, belle ulti de Poppy. Mais forcément, on a perdu un de nos gros éléments. Oh, y a le Baron Nashor là. En plus, on perd le flash sur Israël pour les prochaines minutes. Ça va être tellement important. Wow, qui est en side très très bien positionné. On a un beau grab sur cette... Léona qu'on va peut-être pas pouvoir aider. Par contre le CC est quand même très très propre. On a le Renekton qui arrive mais le Renekton est assez loin pendant ce moment là. Bonne temporisation de Daglas. On met le full CC mais je pense qu'on va pas réussir à s'en sortir. Ultimate quand même de Scarface. Pour tempo on arrive à enlever beaucoup de joueurs de la KC. Étonnamment. Mais bon ouais y a un crocodile qui est quand même bien énervé. Double flash out là dessus. Et en vrai c'est passé. En vrai de vrai on a réussi à s'en sortir sur une action qui était quand même loin d'être évidente. On fait claquer le flash du Renekton, le flash de la Kai'Sa. C'est pas un mauvais move. Parce que ça aurait pu être vraiment catastrophique. Baron Nashor, pas de flash sur ton ADC. Bon, t'es pas à l'aise quand même. Ouais, j'avoue que là, le début de l'action, il me faisait très très peur. Hein. Surtout que même l'ulti de Poppy, il aurait pu être clutch dans le fight. Mais en vrai, la Léona Syndra qui arrive à mettre un bon petit all-in sur 4 des joueurs, ça nous a mis bien. En fait, ce hook nous a mis trop bien. Ah, la scène 3 des 4 mais. Et vu que le Renekton il était en flanking, en fait le grab est arrivé un petit peu trop tôt. Daglas qui tempo à merveille là-dessus. Cheyek superbement positionné. Pendant ce temps-là, Scarface fait ce qu'il peut pour mettre un petit peu de dégâts. Ah, il lui manque un peu d'HP pour faire un clutch de fou en vrai de vrai. Mais c'est pas mal. Ok, maintenant on se retrouve sur le fight sur le dragon.
On a un dash-in de la part du Blitzcrank. Petit flash exec. On a une Syndra, elle est effrayante. Le stuff qu'elle a là, pouh. T'as pas envie de te prendre un combo. Même pour ce Renekton hein, qui est parti sur le coup près nord, pas de Sterak en deuxième. Oh, le hook était pas loin de passer sur Jack Troll. Ok, ça commence à le faire en mode solo tranquille du côté de Daglas. On a le positionnement un peu split du côté de la KC. Solis qui a envie de tenter un hook, encore une fois ça passe pas loin de Néon. Et on va récupérer le Drake. Et là cette fois par contre ils sont split. On fait un petit flash in du côté de Jack Troll. On met le in, ça connecte. Derrière Scarface qui va pouvoir mettre le maximum de burst ultimate de la part de la Syndra. On n'hésitera pas évidemment à tout mettre sur le carré AD de la KC. Et par contre White, je pense pas qu'on arrivera à avoir assez de mobilité. Non. Pour le clouer contre un mur. Par contre forcément il n'y a plus d'HP sur WoW. On est obligé de back téléport. Il n'y a plus de carry AD. Est-ce que c'est à nous de tenter un call baron là? Scarface il va se prendre un petit un petit trade. Pas agréable. Non ok, on a peur du call baron. On n'a vraiment pas envie de le tenter cette fois. Et je peux mentir, ça me va. Alors ce que j'aime bien, c'est que je vois vraiment du bon CS lead sur pratiquement tous les persos, en sachant que le Ezreal est très bien dans la game. 3 items. Si je vous dis 3 items Ezreal contre 3 items Renekton, c'est un peu galère. Mais là, on voit quand même le petit stuff diff se mettre en place. Les Drake qui commencent à s'enchaîner. C'est pas des mauvais Drake en vrai pour notre composition. On a beaucoup de mobilité. Vu qu'on a l'air d'être en full escarmouche depuis le début de la partie, en vrai, de vouloir faire des teamfights en permanence. Alors d'avoir 3 Drake nuages, ça pourrait être très très clutch. Même pour la Syndra qui peut claquer un ultimate rapidement, même pour juste se repositionner, t'as toujours des bonnes choses à faire, mine de rien. Il y a un Medja sur la Syndra, c'est vrai qu'elle a 10 stacks en vrai, elle est bien. Ok, on a un catch sur White. White il va peut-être être obligé d'ulti pour disengage là-dessus, mais au final, non. Rien du tout. L'ultimate de Leona qui ne suffira pas. No, le stun qui va connecter quand même Zolis qui prend un midlife sur un stun et un Q-spell de Syndra, c'est pas mal. White qui est midlife également. Et là, ouais, tu le sens, le Syndra Ezreal, il met une vraie pression. Attention quand même à ne pas être en aux grosses confiances là-dessus. Mais ça a l'air d'aller. Scarface qui a envie de tenter un petit EQ. Et là maintenant, c'est la pression baron. On les a fait push. Oula. Oula. Oh non, 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 non. Oh, là, c'est vrai que j'ai une flash out. Oh non, mais non. Il y a un épique. Comment c'est possible? Oh là là, c'est un peu panique. Oh, par contre, pendant ce temps-là, c'est WoW qui a voulu flank, mais c'est peut-être un petit peu trop tôt pour l'instant. Il n'y a personne pour y aller. On a un dash-in de néon sur tank, mais au final, ça va passer. Ça va passer. J'ai eu un peu peur qu'ils prennent la sauce, mais c'est vrai qu'on avait la clean, on pouvait largement disengage. Et WoW qui se retrouve solo, forcément, pendant ce moment-là. Oh, le grab qui passait sur la Syndra, j'ai vu la game perdre. Enfin, la team perdre là-dessus. Et là, bon, le baron. Il est finito, y a rien à faire. Il est pour nous ce baron. Et il est validé, ça fait plaisir. Sur les 5 persos en plus. Bon là la Syndra, j'avoue que là tu vois par exemple Renekton ça fait toujours peur. Bon là un Renekton qui a toujours pas Serra qui a 27 minutes de jeu. Ça va là. Là en vrai, là ça va. Je vais curse mais... La Syndra elle va pouvoir quand même... Si jamais il fait un pas de trop, l'exploser au vu du stuff. Elle a un stuff de zinzin. Le Ezreal, pareil, il commence à être vraiment bien. Kassente, on n'en parle même pas. Hein. Le perso, dès qu'il a fini la lithoplastron, ça va être un monstre. Et au niveau du siège, bah ouais, une Syndra fed et un Ezreal très bien dans sa game, forcément. Les dégâts vont être importants. Il y a une Kaisa qui tente un petit peu de side pour l'instant. Mais c'est vrai que bah t'as pas le carry AD de ta team pour défendre. C'est un petit peu compliqué. On a un hook sur Jack Troll qui pourrait tomber. Mais c'est vrai qu'heureusement il n'y a pas cette Kaisa. Et c'est vrai qu'il continue de speed push. Mais est-ce que c'est pas du int? Bon, pendant ce temps-là, ça a réussi à choper un petit peu de dégâts sur la mid lane. Je pense qu'on a même fait claquer l'ultimate de Jizuke pour se positionner. Effectivement, l'ulti est claqué. On a Jack Troll qui se reprend encore une fois un hook. Mais là, c'est un teamfight. Il n'y a pas leur ADC. Leur ADC n'a pas recall, les gars. On va mettre l'ultimate. On va tout mettre, forcément. Même sur la frontline, on n'en a rien à faire. On veut juste tomber un maximum de perso. Il y a leur carré AD qui s'est dit qu'une T2, c'était intéressant. Même s'ils perdaient la game.
On a Scarface qui a sa téléportation, on va vouloir finir. Hein. Ok, je me chauffe un peu trop. Mais en même temps, ils m'ont tellement habitué à faire des full all-in. Je me suis un peu chauffé de chat. Mais double inhibiteur down, on a récupéré des kills. Le dragon qui va arriver dans 30 secondes et je ne vois pas la casser. Pouvoir jouer. Ah bah. Oh 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 oh, ça va, ça va. Bah tu t'es bien amusé, Denvo. Après ça va, c'est que deux spells. Alors le Medjay 20 de Sheyek. Ah, Sheyek il est pas mécontent de jouer contre la Harry de Jizuke, j'ai l'impression. Même si pourtant son early game à Jizuke, cette game il était solide. Hein. Elle est même pas encore 16 les potes. Eh le Renekton qui tarde. J'avoue que la game de tout à l'heure, le choix du couperet noir en deuxième item a été intéressant. Là je trouve vraiment que le Serac, ça change pas grand chose à la game, mais quand même. Le Serac est quand même peut-être plus safe comme choix. Dans cette partie. Ah la Syndra elle explose n'importe quel joueur. Parce que même White là il a passé des meilleurs pour la tenir. Bon après t'as vraiment pas envie de focus White, mais elle est vraiment vraiment big. Elle a le level 16, attention pendant ce temps là. On a quand même un petit peu de grid du côté de la botlane Vita. On arrive un peu à s'escape là dessus. Il y a le stun qui va passer sur Denvo. Denvo qui va juste exploser chez Yak qui est en mission pendant ce temps là. On a WoW évidemment qui va essayer de s'enfuir. On a le bump, le CC, le stun qui ne passera pas sur un flash out. Mais pendant ce temps là ouais il y a. Bah joue mon frérot. 25 stacks de Medjay là non. En vrai oui c'est sûr. C'est vrai qu'il y a 25 stacks de Medjay les potes. 3, 2, 5. Il y a toujours le flash de disponible. Non le flash qui va revenir pardon. Et on a le chronomètre par contre qui est dispo. Dernière tourelle des inhibiteurs qui va tomber. Et on va même vouloir essayer de gratter encore hein. Surtout qu'avec beaucoup d'AP les auto-attaques. Ouais voilà on voit les auto-attaques hein, de Sheyek sur la tourelle. Ah Sheyek c'est du miel. Sheyek Daglas c'est quand même du miel cette équipe. Non franchement la Harry elle a fait un super taf en early game. Après juste il y a un Sheyek qui s'est envolé. Mais là ouais on a eu un disrespect quand même de la botlane Vita. Un bon placement hein, de la Kai'Sa mais là chla. Oh y a rien à faire. C'est des missiles. Chacun de ces spells. Là il flash pas WoW, il explose hein. Y a rien à faire. Sheyek a encore récupéré un kill sur Zoelis. Zoelis qui a pas le droit de s'amuser. De toute façon Zoelis fait un hook, il explose à chaque fois hein. Littéralement y a rien à faire. Et forcément on a les 3 inhibiteurs down. Donc on va vouloir mettre la pressure. WoW qui va difficilement, en fait je pense même pas qu'il puisse sortir du spawn. Ouais WoW qui va tenter hein, mais on a le Serac quand même d'afficher. On a un beau flank cela dit là dessus de la part de Denvok. Aïe aïe aïe, j'ai dit qu'on avait rien à faire et finalement c'est un énorme throw tout simplement de la part de Vita. On va récupérer un kill de plus. Oh 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 oh. Daglas le roi, achète un Medjay Daglas, let's go. On a réussi à ruiner ça. Je sais pas comment mais tout est possible dans la vie. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle du disrespect. C'est un BO5 Exa. C'est un VO5 la game. Alors attends, on va revoir un petit peu. Parce que là en plus c'est du 4v5 qui est perdu. 4v5 avec une compo comme ça. Oh oui. Ok. Pour le divertissement. Il a même pas pris d'ult. Hein. Pas l'ulti de Leona, mais bon. En fait, je crois qu'il y a Sheyek qui est parti en. Ouais, en normal game un peu là. Et il y a Néon. Ah oui. Oh non, mais Néon. Néon qui prend deux coups de tourelle. Ah oui, d'accord. Oh là là. Ah oui d'accord, on pouvait pas faire pire quoi. Ouais il y a eu vraiment full disrespect. Par contre pendant ce temps là il y a la tourelle du Nexus qui est tombée. Comme ça là. Oh ce move par contre il est. Oh, il est si triste pour Jizuke. Tellement sad. Ok on récupère un petit peu. Baron Ashore. On a toujours les inhibiteurs dedans donc normalement ça passe hein. Normalement ça doit passer. Ouais y a aucun moyen pour la casser de répondre. En fait le problème c'est que même avec aucune tourelle de Nexus le move de Daglas, j'avoue que ça me fume hein. Que la Poppy 0 damage j'arrive à passer. Merci les creeps quand même. Ok. Bon là même s'ils ont les inhibiteurs qui vont commencer à respawn, il y en aura toujours un down pendant un petit moment. Et ils ont rien pour défendre en fait. Le zoning de notre compo, le POC est un petit peu trop compliqué. Et ouais, faut pas glisser.
Là c'est le moment où bah, genre, ce genre de hook pourrait faire le travail. Après sur le jackpot je pense que ça va. Allez, on ne fait pas n'importe quoi, on se met en position, très bien. Par exemple là c'est parfait, ultimate de White qui passe dans un des frontliners. Pour l'instant là WoW qui est obligé de taper, on a quand même le hook qui va passer sur Shayek qui est obligé de se mettre sous Zonia. Et derrière on va tomber le shutdown, il y a Néo qui arrive pas à fight, il y a Scarface qui se fait choper. Mais c'est pas possible. Est-ce qu'on va quand même réussir à continuer l'ultimate là-dessus de Néo qui est pas mal. Oh, le beau sidestep de Denvok. Et on va juste prendre un inhibiteur et on devra reculer. Le baron est toujours disponible pour le prochain push, mais... Ouais, Shayek, ça fait deux fois là qui se place mal. Le Medjay, il commence à... Il commence à tirer la gueule, là. Ah, mais surtout que là, par exemple, t'as White qui claque son ultimate rapidement, donc c'est parfait. T'as juste à jouer un petit peu slow, t'as juste à gérer la frontline. Et WoW qui était obligé de commit pour pouvoir gérer sa... son fight, tu vois. Il n'y avait pas grand chose de préparé. Alors que t'as un néon qui peut bah, littéralement bombarder. On a réussi quand même à récupérer un autre inhibiteur. Il y a quand même la pression de fin de game qui est présente. Mais c'est pas une fin de game très très clean. Hein. Comme qu'il va sortir bien en stream, ça continue. Ah, je te jure, c'est un BO5 frère. Sur live depuis 11h. À l'aide! Les Vitality qui veulent pas me libérer de cette game. Il y a d'autres parties après qui arrivent. On est clairement pas sur la fin du BO. Quoi qu'il arrive, une des deux équipes sera en 2-1. Ouais, j'ai fait des maths. Ça me fait plaisir. Allez. On avance sur la mid lane. Le stun qui connecte pas. Shayek qui a pris quand même un petit peu de dégâts. Faut toujours faire gaffe. Et comme vous l'avez dit, hein, je pense que ça va sûrement se jouer. Oula, attention Scarface. Scarface qui va prendre le grab. On a de quoi temporiser quand même l'ultimate. On est obligé de le mettre sur WoW. Mais il y a des bons damage de lâcher sur WoW qui est obligé de flash out. On va mettre un maximum de dégâts. Le Renekton qui va tomber. Ok, c'est bon pour nous. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. Ok, la team veut finir. Parce que je me dis, sinon vous prenez l'ancestral et c'est bon, on a fini la game. Hein. Ouais. Ok, Jack Troll qui pouvait se positionner correctement. Dashin de la part de Néon. Téléportation du KSMT. On veut finir cette game. Oh aïe aïe, on a le taunt qui a passé sur Shayek qui est obligé de se mettre sous Zonia, on se met devant. Le dragon sinon en vrai, Drake ancestral et vous finissez la game dans 2 minutes, c'est pas grave, prenez votre temps. Oh la 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 chat. Il y a la téléportation de Shayek qui est dispo mais on va peut-être se faire cancel du côté de Jizuke. On va vouloir y aller, flash out de la part de la Syndra, mais pendant ce temps là le fight se passe plutôt bien. On a le kill de récupérer Denvok qui va flash in mais on aura les dégâts, la Syndra qui va téléporter et on va pouvoir finir cette game, merci mon monsieur. Pour cette fin de game, au final il a TP sans avoir back, juste il finit la game. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que c'est que cette game? Même Chips il est en mode pouf. Pas besoin d'avoir de parole, c'est juste en mode ouf. Oh la fin de la partie chaotique. Mais ça passe 2-1 pour Vita. Mais ouais, on aurait pu aller récupérer le Drake ancestral, genre prendre notre temps, tu vois. Au pire. C'était de la pure solo queue la fin de la partie. Hein. En plus, j'ai vu Shayek se prendre le taunt. J'ai fait non, c'est pas possible. Plus je le vois back, il y a Jizuke qui lui fonce dessus. Je me suis dit non, non, on va repartir sur une mort, sur une nouvelle temporisation. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Mais au final, on s'en sort. On est à 2 victoires, 1 défaite pour le moment dans le BO. Et ma foi, bah écoutez, j'ai hâte de voir le prochain match. Si on peut le terminer en 3-1, j'avoue que je cracherai pas dessus. Mais le pire, c'est que le shot calling était bon. Hein. Le shot calling a été propre pendant tout le début de la partie. Le mid-game, on a vu les teamfights, ça se passait bien. Mais juste, c'est parti en cacahuète, clairement, sur la fin. Mais bon, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. On est solide. Ok. Reprends un petit peu. Tout va bien. Et merci Razak, merci pour le prime. Ah ouais non là c'est de la pure solo queue la fin. Le titre de Vita pour la fin de cette game c'est du poulet. Attends j'ai même pas vu. C'était trop grave la partie. C'était trop grave. Attends je vous mets un peu de musique. Oh aïe 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 aïe. Mais plus jamais des games comme ça. Hein. Au moins on est en 2-1. Le not even close. Finally won versus Renekton. Oui mais bien. Il met très bien le tweet. La finition était un peu jeune, mais on prend. Ouais, non, clairement. Hein. Je vois les commentaires.
Ils ont 5 à gold d'avance, ils coupent leur micro, ça doit être le no mic challenge. Ah là, je pense qu'ils étaient en full for fun, hein.